dois vous dire que cette année, la réouverture des classes est lancée officiellement sous le thème de restaurer l'autorité de l'État à travers la restauration de l'autorité de l'école, thème retenu cette année par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le docteur Augustin Antoine. Chers élèves, distingués professeurs, distingués parents, honorables membres de la direction, distingués membres du BDS de Pétionville, fondamentale et secondaire, l'école non seulement est un espace de formation, mais aussi un espace de socialisation, un espace de convivialité, un espace de fraternité et de solidarité. Vous devez vous mettre sérieusement dès aujourd'hui au travail. Travail dans la discipline et le respect d'autrui. Chaque matin, on procède à la montée du drapeau, comme par le passé. Homme, hymne des lycéens que nous aurons à chanter chaque matin. Soyez toujours ponctuels à l'école. Les cours commencent à 7h30 du matin pour le groupe du matin et se terminent à 12h30, 1h. Et l'après-midi, d'avoir 1h, 6h30, 7h. Nous vous invitons et nous vous conjurons que sans le travail, vous n'avez pas votre place au sein de la société. Présidente Madame Sarah d'Haïti. Avant pour commencer, m'a demandé elle étudie belle élève ça pour dire qui ça qui est Madame Sarah. Bonjour. Non pas c'est Manéika Sarah Finaïtienne. Ouais, Madame Sarah c'est maman la vie, maman qui compte tout douleur, yo le fait bien honneur. Depuis à 4 heures, met chai sous de yo. Y a nan la rien. Il a cherché la vie pour tout petit. Il s'est fait avec mon cœur. Guéri, pour faire tout. Il est allé à l'école. Guéri tout. Mauvais la vie fait. Pas à l'école. Guéri calé, ça pour moi-même. J'ai une chance venue le 1er juin. Nous-mêmes tous. Mais Guéri qui va jouer une chanson pour le fini. Maintenant, d'ailleurs, moi bravo pour tous les élèves qui viennent aujourd'hui. Merci. Et pour élèves, ce petit gros outil avant de parler nous de Madame Sarah, yo badou. Nous c'est avenir pays. Prends l'école là en main. Sans éducation, pas qu'a gagné un bon développement. Même genre, sans agriculture, pas qu'a gagné un bon développement. Madame Sarah, yo, c'est mon noué qui pote panier. Qui sous deux bourriques, qui sous deux camions, qui a plusieurs types de Madame Sarah. Qui est grossi tout, nous sommes dans l'avion, dans le bateau, c'est Madame Sarah. Malheureusement, ce secteur est plus négligé en Haïti, qui est moteur économique, représenté 65% dans l'économie. L'école là, c'est eux-mêmes. PKL là, c'est eux-mêmes. Ils ont occupé Kaila à 98%. Ils ont occupé 10, 12, 13 petites sans papa. Ça va vous dire papa est mort. Mais n'oubliez nous dans un pays pas tellement de travail vrai. C'est avec bout de panier, avec bout de l'éducation nous fait. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'espoir que je m'adresse à vous ce matin. Au nom du ministre de l'Éducation nationale et du directeur départemental d'éducation de l'Ouest, à l'occasion de cette rentrée scolaire 2024-2025. Cet événement représente un moment clé dans la vie sociale, politique, économique et culturelle du pays. Comme chaque année, tous les acteurs sont mobilisés en vue d'affronter les nouveaux défis dans un contexte
d'instabilité politique qui affecte tous les secteurs de notre société. Il n'est un secret pour personne que notre pays traverse l'une des crises la plus grave de son histoire depuis quelque temps. Nous assistons à la déchéance des institutions socles de la société. Il revient à l'école de jeter les bases de la refondation de la nation haïtienne. Pour atteindre cet objectif, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a choisi comme guide de sa gestion le thème « Restaurer l'autorité de l'école ». Pourquoi ce thème? Parce que l'école, en tant qu'institution, a toujours été et doit rester un des piliers fondamentaux de notre société.